Donc l'huile, elle va nourrir le bois en profondeur, ça, il n'y a pas de problème. Mais comme je disais tout à l'heure, ils lui font un diluant, parce que si on met que de l'huile, ben, ça pénètre pas. Mmh. Et puis, c'est gras et ça va avoir du mal à sécher. Donc je suis Régine Keva, je suis auteure de livres sur les produits naturels et sur d'autres choses dont les algues. Ce soir, nous avons fait deux produits, un produit anti-rouille et un produit qui sert à protéger, à nourrir et à entretenir le bois, qui s'appelle une huile dure. De toute façon, quand on fait ces produits, on ne remplit jamais les pots. Mm-hmm. D'abord parce que très souvent, on a besoin de secouer, donc toujours un peu des réactions qui peuvent se produire. C'est de la place pour la détente des gaz. Voilà. Donc, les trois quarts de la préparation, c'est l'huile de lin. Et un petit quart, puisqu'on a 75 et 25, du vinaigre. Mmh. Et comme l'a dit Juliette tout à l'heure, attention, ça a tendance à déphaser. Donc il va falloir quand même, quand vous ferez un litre, secouer régulièrement. Alors soit on mixe avec un mixeur plongeant, soit on utilise un fouet. Ça marche, même si c'est pas au gramme près. Oui, c'est ça. Ben oui. Sinon, là, c'est de la chimie. Comme l'a dit tout à l'heure Juliette, il y a du citron qui est vraiment très puissant. On a aussi de la cannelle qui est quelque chose de puissant. Mais bon, elles ont toutes à peu près ces vertus-là. Donc, ce que je dis dans ces moments-là, c'est faites-vous plaisir. Prenez une odeur qui vous plaît, vous aurez du plaisir à passer votre produit. Je suis venue parce que j'ai vu la plaquette, que j'ai fait un atelier, ça fait peut-être 3 ans, que j'avais trouvé intéressant et qui m'avait permis de faire ma lessive personnelle. Enfin, personnelle, disons que je fais ma lessive et j'ai trouvé ça intéressant. Et je suis sensible quand même à tout ce qui est environnement et je pense aussi que on a possibilité très certainement de rendre les choses plus accessibles en faisant ces produits soi-même. En fin de compte, on comprend mieux aussi le fonctionnement de ces produits et on a l'impression de se faire du bien et de faire du bien aux autres aussi.